Salut, c'est Yannick de progresseenphoto.com. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai quitté ma Bretagne. Je suis à la montagne du côté de Lamongie dans les Pyrénées. Et bien que je sois un petit peu en vacances, je prends quelques jours de vacances pour me détendre, faire un peu de snowboard. Eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait vous être utile si vous avez envie de faire des bonnes photos à la montagne lorsque vous allez skier ou faire du snowboard. Alors, déjà, au niveau du matériel, donc la première question qu'on peut se poser, c'est quel matériel je vais emmener sur les pistes. Alors moi, pendant de nombreuses années, j'emmenais mon sac à dos avec mes réflexes dedans, enfin un réflexe et un objectif polyvalent en général. Alors c'est super, ça permet d'avoir vraiment le matériel adéquat pour faire tout type de photos. Par contre, évidemment, il faut le porter et c'est fragile. Et si vous êtes un peu casse-cou comme moi, que vous aimez aller vite, faire des sauts, aller dans des endroits un peu improbables, c'est risqué. Moi, ça m'est arrivé de me prendre des bonnes chutes. Bon, heureusement, le matériel n'avait rien, mais c'est à éviter quand même. Alors du coup, sur quoi se rabattre? Alors moi, ce que je vous conseille, si vous en avez un, c'est de prendre un Compact Expert, ce qui va vous permettre en fait d'avoir tous les réglages possibles pour faire tout type de photos, mais d'être en fait assez compact et léger, hein, ça tient dans une poche. Moi, pour ma part, j'utilise le Canon G7X, dont je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, et c'est très pratique. Alors, si vous n'avez pas de Compact Expert, j'ai envie de vous conseiller de prendre tout simplement votre téléphone portable. Si vous avez un téléphone portable assez récent, ça suffit largement pour faire de très très bonnes photos. Si vous avez envie de prendre du paysage, on n'a pas besoin de jouer forcément avec des faibles profondeurs de champ, etc. Donc le téléphone portable fera très bien l'affaire. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ces photos, hein, tout ça a été fait avec un téléphone portable et vous voyez que la qualité est vraiment très bonne. Alors bien sûr, pour faire de bonnes photos, c'est pas parce qu'on est à la montagne qu'on oublie certaines choses. Donc la première, déjà, ça va être de bien cadrer, de respecter la règle des tiers si vous avez envie de la respecter, mais enfin au moins de la connaître et puis de jouer avec. Intéressant aussi de mettre un premier plan pour accrocher le regard. Donc ça peut être un rocher, un sapin, des traces de pas, ce que vous voulez, mais c'est important de bien composer votre photo. Essayez d'avoir un premier plan, un peu de montagne, le ciel bleu derrière, donc voilà, et normalement ça devrait faire une bonne photo. Pensez aussi à bien vous mettre dos au soleil, parce que sinon vous allez avoir des beaux contre-jours, et en fait le fait d'avoir le soleil dans le dos, ça va parfaitement éclairer votre paysage. Vous allez avoir des belles lumières et un beau ciel bien bleu, comme vous pouvez le voir derrière moi. Là, je filme actuellement, j'ai le soleil qui est en face, c'est pour ça que je garde mes lunettes, sinon je ne verrai pas grand chose. Alors si vous voulez faire des photos d'action, eh bien, avec le téléphone, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est faisable aussi, mais il va falloir cadrer un petit peu large et surtout anticiper le temps d'appuyer sur l'écran. Il faut anticiper un petit peu, sinon vous risquez d'avoir l'arrière des skis au lieu d'avoir le personnage en entier. Pensez aussi à laisser de l'espace devant le skieur. Ça, c'est important pour pas qu'il bute contre le bord de la photo. Si vous avez un hybride, un Compact Expert ou un réflexe sur les pistes, eh bien, je vous conseille aussi d'utiliser l'autofocus continu qui va vous permettre de bien suivre votre sujet. Un petit plus aussi, le fil polarisant, c'est pas mal, ça vous permettra d'avoir un ciel encore plus bleu. Mais là, vous voyez, j'ai juste avec le téléphone, vous voyez, le ciel est vraiment magnifique. D'ailleurs, hop, on va faire un petit tour. Il n'y a pas de raison, je vous emmène avec moi. Vous voyez, c'est chouette. Voilà, elle est un petit peu face au soleil, mais pas trop. Voilà, donc respectez tous ces conseils et vous verrez que normalement, vous allez ramener de bonnes photos. Essayez de varier aussi les plans, hein, des photos de paysage en serré, des gros plans, des photos d'action, etc. Bien vous placer au soleil, bien cadrer. Et puis normalement, vous devriez ramener de bonnes photos sans casser votre matériel et sans galérer avec un gros sac à dos avec plein de matériel. Parce que bon, en général, quand on vient faire à la montagne, c'est pour la glisse principalement plutôt que pour les photos. Moi, je vous avoue que j'ai amené mon hybride, mon OMD, et finalement, il est resté à l'appartement parce que voilà, je suis là que 3 jours, donc j'ai envie vraiment d'en profiter. J'ai pris mon Compact Expert et puis mon téléphone et une petite GoPro pour faire quelques images. D'ailleurs, je vous mettrai quelques images à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Vous verrez d'ailleurs, je me prends quelques bonnes gamelles de temps en temps. Ça vous fera peut-être marrer. Voilà, bah écoutez, j'avais quelque chose aussi d'important à dire au niveau des réglages, c'est qu'au niveau de l'exposition, la neige risque de vous poser quelques problèmes parfois, parce que c'est très blanc, donc ça perturbe un petit peu les capteurs,
et vous risquez d'avoir des photos un petit peu sous-exposées, notamment si vous prenez quelqu'un avec le paysage. Donc déjà, vous faites attention à ce que le soleil éclaire bien le sujet, hein, pas face au soleil, sinon vous ne verrez pas votre sujet. Et pensez à utiliser le correcteur d'exposition, donc qui va vous permettre de surexposer un petit peu la photo et d'avoir une neige bien blanche et non pas grise. Si vous avez un téléphone, il y a des petites applications. Moi, j'utilise celle-ci, je vous mettrai le lien en description par exemple. J'ai juste à actionner la molette vers le haut, vers le bas pour jouer sur l'exposition et c'est très très pratique. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous ont aidé. Si vous n'allez pas à la montagne, au moins vous aurez voyagé, pris un petit peu le soleil aujourd'hui avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne serai pas à la montagne malheureusement, mais on fera quelque chose de bien quand même. Allez, salut, à bientôt.